j'ai acheté du bon halal. Remref. On est parti les gars pour donc cette troisième édition du RPG. Je vais mettre la musique, tac, c'est parti. Je vais commencer les présentations tout de suite. Tac, je commence donc les présentations et pour la première équipe, il reproduit Booba à la perfection. Son palmarès, c'est Gato d'Abato, Chakalamakove. Un tonnerre d'applaudissements pour Scarchiz. Ok, ok, ok. Bon, par contre, les autres candidats, ils veulent pas applaudir. Hein. T'as capté. Non, Ok. Ouais, ça applaudit pas les candidats d'en face. Ok, ok, je vois, je vois. Notre deuxième invité, les gars, c'est un jeune talent qui ne cesse d'évoluer. On le présente plus, il est en train de manger une giga banane, connu grâce à son personnage tout droit venu du Congo. Tobias, hein? Et Tobias vient du Congo, j'espère. Ouais, merci. Tobias, les gars, très heureux que vous soyez là, les refs. Et eux, du coup, ils vont former. Je me suis renseigné un petit peu. J'ai vu que Tobias, il faisait des micro-trottoirs sur Châtelet. J'ai vu que Scarties, il reproduit Booba à la perfection. On va les appeler les Mourissous 9DI. Des micro-trottoirs, moi? Ouais, tu fais pas des micro-trottoirs à Châtelet? Voilà. Ouais, j'ai fait un vlog. Ah, non, okay. je demande pas pour combien de touches en ouais, bas. Quoi, ouais, mais à Châtelet, tu l'as fait, on est d'accord? Oui, c'est vrai. Mourissous 9DI. Mourissous 9DI, du coup, pour la première équipe. La deuxième équipe, un fossile de RP, il a fait un hit sur G-Life. Je roule en intercepteur. Arrête-toi, t'adore. Un tonnerre d'applaudissements pour Stratouki, oh, aussi connu avec la Lola. C'était Rapido des Vagos. On le connaît par cœur. Et ensuite, la dernière petite candidate, notre petite Caitlin Laurence du LSPG. Misha Nana, c'est avec nous. Merci, les gars. Et du coup, comme la moyenne d'âge de l'équipe. La moyenne d'âge de l'équipe, c'est 45 ans. On va les appeler les trentenaires, les gars. Pour Stratuki. Oh, ça fait mal, ça. Quoi? Je rigole. Sachez, les gars, que le vainqueur, les gars, écoutez-moi bien. Le vainqueur, il doit faire... Oh, merci. Le vainqueur, les gars, il doit faire la promo des perdants en RP. Donc, il doit dire, voilà, c'est les meilleurs RP. Il doit saucer leur personnage. C'est pas ça? Je me suis fait daronnette en pleine émission. Ok, et moi pareil, non, les gars, je serai avec les vainqueurs, donc on va saucer un maximum les vainqueurs. Et les perdants, eux, ça sera les pires RP, les roleplays du plateau. Et les vainqueurs, ça sera les meilleurs roleplays du plateau. Les c'est gars, très grave. On va partir donc pour la première épreuve. La première épreuve, elle s'appelle, je vais vous expliquer le concept à chaque fois. La première épreuve, c'est une épreuve de rapidité. En gros, vous devez répondre le plus rapidement possible, d'accord? Je vais vous poser des questions basées sur le RP. Vous avez le droit de regarder le live parce que les questions seront affichées en bas du live, ok, et vous allez devoir répondre le plus rapidement possible avec la bonne réponse. 5 points par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Pareil, les points seront affichés en temps réel sur le plateau en haut. Hop là, je vous mets ça tout de suite. Overlay, hop là, c'est ça. Les trentenaires contre les Mourissous 9-2. Pareil, on a les points qui s'affichent tout de suite. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts du coup les gars pour la première épreuve qui va commencer tout de suite? Dis-moi, frérot. T'es vraiment très très beau aujourd'hui, t'es magnifique, ouais. Machallah, t'es très très beau. Dis-moi, frérot. Subhanallah. T'es vraiment très très beau, genre c'est une dinguerie. T'as non, pas ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on fait des points. Ok. Ok, ok. C'est grave, hein. Rater des points là, les c'est tout. Les amis, on va donc commencer cette émission et je remercie Tobias pour ses compliments. 2 points pour l'équipe de Mourissous 9DI pour commencer. C'est parti. C'est parti, on commence directement. Merci. Merci Tobias, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir parce que j'étais un peu. Tu vois, je me sentais pas très beau aujourd'hui et tout. Du coup, merci frérot pour le soutien. Non, dinguerie. Scarty, c'est bon, t'es là? Stratouki, t'es là? Attends. Je vais mettre quelque chose dans mon décor. Ok, ah, il a mis une banane. Il en a mis deux en plus. 2 points pour les trentenaires, les gars, s'il vous plaît, la régie. S'il vous plaît. Ok, 2 points pour les trentenaires, la régie. Et on peut même pas commencer là. On a même pas commencé. Attention, Scarties qui va peut-être surenchérir, les gars. Vous le voyez pas, Scarties? Scarties, vous le voyez pas, mais il va peut-être surenchérir. Attention. Il met du temps. Il met du temps, ce bâtard. Il met du temps. Ça va flop, hein. C'est... Moi je propose qu'on enlève des points. On peut commencer, hein, c'est fini. Ok, il a rien ramené. Il a rien ramené, je crois.
Il a plus. On est ensemble, Scartis. Il y a pas les courses, les gars. Il y a pas un fruit chez lui, frérot. Il y a pas un fruit qui traîne. Ok, les gars, on va commencer sur la première épreuve. Est-ce que vous êtes prêts, les deux équipes, les trentenaires, les mourissons? Malade. Je rappelle, les gars, que pour buzzer, il faut dire buzz. Buzzer, les gars. Wesh. Vas-y, continue, mon gars. Ok. Ah, il est très bon. Ok, les gars, première question. C'est parti. Épreuve de rapidité. Première question qui va s'afficher tout de suite, les gars, en bas de votre écran pour l'épreuve de rapidité. Qu'est-ce qu'un free kill pour l'épreuve de rapidité? Première question. L'équipe de Mourissou 9-2. Vas-y, réponds-toi. Un free kill, les gars. La description la plus simple. Un free kill, donc c'est une notion ERP quand un mec rafale quelqu'un gratuitement. Ok, voilà. Ok. C'est accordé 5 points pour les mourissons 9 de okay. Les gars, ça va arriver, hein, les gars. Les questions au début, c'est facile. Hein, c'est facile. Attention, petite nouveauté, mais quand c'est l'équipe de Mourissou 9 de I, le plateau s'allume en bleu. Quand c'est l'équipe des trentenaires, le plateau s'allume en rouge. J'ai juste appuyé sur un bouton. Voilà, les gars, le plateau est magnifique. On continue avec la deuxième question. 7 points pour les mourissous. Ah non, attention, petite erreur là, c'est pas les trentenaires. Non, c'est pas mal comme ça. Hein. La régie, il y a une erreur. Merci, la régie. Voilà, la régie, il y a une erreur. Ok, les gars, on enchaîne. Deuxième question, attention, soyez attentifs. Top, quel est le terme pour la simulation en RP? Buzz. Ok, les mourissous 9DI, à vous. C'est le Neymar roleplay. Et c'est une fausse réponse, les trentenaires, à vous de nous donner. Quel est le terme pour la simulation en RP? Le PNRP? Et c'est une bonne réponse! Bonne réponse, 5 points pour les trentenaires! 5 points pour les trentenaires! S'il y a un problème, faut voir avec la régie, les gars! Faut voir avec la régie s'il y a un problème! Il a dit le débat! Le Neymar RP qui nous dit putain, c'est Attends, mais comment ça? Le Neymar RP. 7 points pour les trentenaires, 7 points pour les mourissous 9-2. On va tout de suite passer à la troisième question. Il y a 4 questions pour cette première épreuve. Est-ce que vous êtes prêts? Et après, on va cocher les cartes mystères ou les cartes puristes. Vous avez le choix, une des deux. Et chaque équipe va devoir piocher une des deux. Attention, la troisième question pour l'épreuve de rapidité. Et top! Quel est le premier free access en France? Buzz. Ok. GTA Lite. Bravo, c'est une bonne réponse. Plus 5 points. Je savais même pas. L'équipe de... Vous saviez pas? Mais c'est le premier free access de France, si? Si. De France, c'est quoi? Ok. C'est le premier free access de France. Le premier access. Ah, mais oui, on n'a pas le temps d'entendre. Tu connais un autre free access qui a 800. Ils font combien de connectés, G-Lite? C'est même mondial, je crois. Ils font 300. Ah, mais non, c'est faux. Ah, mais attends, mais c'est pas le premier free access de France. Si. Ah, le premier dans la catégorie des premiers. Ah, d'accord, là, oui, dans la chronologie. Ouais, je crois qu'ils font 300, 400. Ah, ouais. C'est pour ça que j'ai rigolé, en fait. Ah, bah ouais, mais en mode, quand tu vas sur 5M et que tu tapes Free Access, le premier qui a le plus de joueurs, on est d'accord. Ok. Du coup, 5 points pour les Mourissou 9 de I, victoire de Scartis, là, très très bonne réponse. Attention, la dernière question pour cette première épreuve de rapidité. Et top question, Tobias, qui n'est plus là. Que veut dire la gronyme RP? Je sais même pas ce que ça veut dire. Buzz, l'équipe des trentenaires, c'est à vous. Ça veut dire roleplay, bien évidemment. Eh oui, évidemment. Voilà, c'est mon mate, il se lève pendant la partie. Cousin, tes mains, c'est quoi ça? Il allait se verser du coca. Il a totalement répondu. Il a totalement raison. Ok, bah écoutez, les gars, on passe tout de suite au Switch pour la deuxième épreuve et pour tirer au sort les cartes mystères Switch. C'est parti. Ok, du coup, les gars, on va passer au tirage au sort des cartes mystères ou cartes puristes. Je vous ai préparé pas mal de cartes ici, les gars, d'accord? Je rappelle les règles parce que pour ceux qui connaissent pas ou quoi, en gros, carte puriste, vous tirez au sort une carte et vous allez avoir une question sur le RP. Il faut être un puriste du RP, entre guillemets. Et c'est nous qui choisissons la carte. Non, vous ne choisissez pas, c'est pas la carte. Vous choisissez soit la carte mystère, soit la carte puriste. Par contre, la carte, c'est moi qui la tire au sort, ok? Il y a une dizaine de cartes pour chaque équipe. Vous allez devoir tirer au sort chaque carte à tour de rôle. Chaque équipe, vous allez vous concerter. Attention, il y a des malus, mais il y a aussi des bonus. Voilà. Du coup, à vous, si jamais vous avez tort dans une question puriste, vous prenez moins 5 points en malus. Si vous avez bon, vous prenez plus 5 points. Pareil, carte mystère, si vous avez de la chance, vous prenez plus 5. Si vous n'avez pas de chance, vous prenez moins 5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
C'est bon, les gars ? Ok. C'est clair. Okay. Ouais, ouais, on va donc donner honneur aux trentenaires. Du coup, carte mystère ou carte puriste pour cette, pour ce premier tirage au sort. Tu veux prendre quoi Mystère. Allez, on aime le goût du risque, bien sûr. Ok, le goût du risque, la chance, attention, carte mystère. Tobias, t'as coupé ta troisième couille. Malus de 5 points pour les trentenaires. Aïe. T'as la ref ou pas, Tobias ? Ah oui. La troisième oui, couille, oui. On a fait. C'était sur LSC. On a pas de chance. Ok, du coup, moins 5 points pour les trentenaires. Micha qui a fait la carte mystère et pas de chance, hein, du coup, pour eux. Pas de chance pour eux. C'est Scarties. Très grave. Scarties et Tobias, est-ce que vous êtes prêts? On va tirer soit la carte mystère, soit la carte puriste. Vous êtes puriste, concertez-vous, vous me dites. Puriste. Ah, les petits joueurs. C'est grave, hein. Okay, attention pour la carte puriste. Adil a-t-il quitté sa meuf pour continuer à jouer Walton ? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Attends, on se concerte. Attention, compte à rebours, vous avez une minute. Ok, écoute, à l'époque, Gamingo c'était un matrixé de fils de pute. C'est-à-dire que GTA, gros, c'était sa vie. C'est limite, il aimait plus GTA que sa daronne. C'était vraiment l'époque O'Neill, c'était incroyable. Cette époque-là, je l'ai connu très bien parce qu'on jouait souvent ensemble. Et souvent, c'était plus matrixé du serveur. Et il est très bien à cette époque-là. Du coup, je pense que c'est possible. Ah ouais ? Ouais, c'est possible. Moi, pour une meuf, quand même. Frère, ça bat les couilles des meufs, frère. T'as 1500 viewers, qu'est-ce que t'en as à foutre de la meuf ? Ah ouais, carrément ? Ouais, clairement, gros. C'est... Donc tu dis oui. Vas-y. Moi, je dis oui. Vas-y. Réponse. On valide avec validation, carrément. Ok, validé avec validation. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Plus 5 points pour l'équipe de Movie Soon. C'est très grave. C'est honteux. Les gars, frère, je jouais avec Kameto quand même. C'est Kameto, frérot. Moi, je devais être là. Il me prenait la tête et tout, tu vois. Je dis, oh non, frérot, moi, je me convainc. Imagine, il est sur ton live. Elle va dans des subs depuis. Ouais, c'est l'époque, c'est la bonne époque. Ok, du coup, plus 5 points. Attention, là, l'équipe Mourisou 9 de I. 17 points contre 7 points pour les trentenaires, mais rien n'est joué. On va attaquer tout de suite la deuxième épreuve. Et pour cette deuxième épreuve, les gars, je vais vous expliquer les règles. La deuxième épreuve, en gros, c'est real or fake. En gros, on va vous donner des paroles de chansons RP, d'accord ? Et il faudra simplement dire si celles-ci elles sont real ou celles-ci elles sont fake. Si elles sont real, ça veut dire que c'est des vrais, donc c'est inspiré de vraies musiques RP. Si elles sont fake, ça veut dire que c'est faux, soit la musique n'existe pas, soit c'est inspiré de musique IRL. Ok ? Mais en règle générale, là on vous a mis plus des musiques IRL. Donc là on va vous donner, des musiques. Vous allez me dire si celles-ci sont vraiment inspirées du RP ou non, real or fake. C'est tout de suite les gars, deuxième épreuve, let's go. Et cette fois-ci honneur aux vainqueurs puisqu'ils sont en train de gagner là. Honneur au Mourisson 9 de I. Est-ce que vous êtes prêts les gars pour la première question? Vas-y, au revoir. Alors hop là, première question et top. J'espère que t'es réceptif. Et ouais, peu importe l'heure, je suis toujours le grand vainqueur. Vous avez une minute pour décider si cette, si cette réplique est vraie et inspirée d'une musique RP pour de vrai, ou si elle est complètement fausse ou inspirée d'une musique IRL. Franchement, gros, ça pue la merde. Du coup, je dirais bien que c'est du RP. Hein. C'est vraiment un chier. Ah ouais, bah tu... ça pue bien la merde. Hein. Lyricalement, ça a chier. Hein. Donc, tu penses que c'est réel ? Moi, je pense que c'est réel. C'est des vraies paroles d'RP. C'est réel. Il vous reste 30 secondes, les gars, pour vous concerter. Tobias, aucun rappeur sur cette planète n'écrit ça, gros. Ça n'a aucun sens, gros. Là, c'est 100% réel. C'est un bâtard. Vas-y, mets réel. Aïe. Ok, du coup, vous validez cette réponse, les gars ? Oui, je valide. Eh bien, cette réponse. J'ai grave la haine, pourquoi ? Elle est vraie. Le chanteur de cette musique, c'est ni plus ni moins Stratouké avec 09. Non, tu le savais. Écoutez, la tête de ma mère, il a dit la musique, elle pue la merde. Battez-vous. Eh ben, tu veux que je te dise un truc, frérot ? La vie de ma mère, je le savais pas. J'écoute pas ton RP. La vie de ma mère, je le savais pas. Je te dis un truc, frérot, Scarties. La musique, elle a grave marché sur YouTube. Ouais. Ok ? Et c'est un classique sur G-Live. Du coup, voilà. C'est dit, c'est fait. Et vas-y, Stratouké. Non, mais Scarties, vas-y. Fais-le. Scarties, donne-nous un classique de toi. Vas-y, frérot. Vas-y. Mais j'en ai pas, moi. Eh ben, lui, il a un classique, lui. Voilà, bang, bang, bang.
Moi, j'ai fait, moi, écoute-moi bien, j'ai un classique qui a fait 2 millions d'écoutes sur YouTube. Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Ah putain, c'est vrai, je l'ai zappé. Plus que certains sons de PNL, ouais, on est ouais, où j'avoue, j'avoue, c'est les qui, gars. Ah, j'ai zappé, c'est ouais. Il a fait un c'est son pour Hypromix. Ah putain, dis-toi, on cherchait un son en plus à la régie et tout que t'avais fait. Putain, je suis deg. Ok, bon, c'est pas grave, plus 5 points du coup pour l'équipe de Mourissou, 9 de I pour cette deuxième épreuve. Et là, ça commence à être peu compliqué là. Parce que 17 plus 5, ça fait. Ouais, mais aussi 22. Les questions là, putain. On se prend une case mystère dans la gueule. Bref, vas-y, continue. Ok, bon, allez, on enchaîne, les gars. La deuxième question, real or fake, vous connaissez le principe. C'est tout de suite, c'est parti. Top chrono, tu veux des armes, des Uzi, la Santa Maria, je prie. Oh oui, 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 c'est vrai. Mais oui. stop, mais je suis con, mais je suis con. Les trentenaires, ça a bougé là. Mais c'est du coup, oh, c'est catastrophique. Alors. Je suis pas sûr, mais elle sera tout cas. Est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est réel, hein, d'après. Bah, d'après la réaction, ouais, mais c'est bien réel, par contre, hein. Ah, j'ai tout niqué. Ah, je me mute, c'est. Putain. Ça se trouve, ils font semblant. Oh, est-ce que c'est du bluff? Oh, je pense joueur, non, bien. Ils étaient tellement heureux d'avoir une réponse. En vrai, je pense que c'est réel. Ok, réel, est-ce que vous nous validez ça, les gars, l'équipe des trentenaires? Moi, je valide. Ok, je sens ça, vieux bluff. Je vais vous la faire avec la mélo et tout. Tu veux des armes, des Uzi, la Santa Maria, j'ai pris. Et là, attention, je suis dans le barrio. Je rêve de Dinero. Non, ça vous dit rien du tout? C'est si, Inoxtag. C'est la musique de Inoxtag si, qui a vu, fait 6 millions de vues sur YouTube. Bref, ça a éclaté, c'est lui, je crois. C'est franchement. Merci, Tobias, du coup. Il a grave percé là-dessus. Merci, Tobias, pour les graves. Ok, le Mourisson 9DI, 12 à 22. Le Mourisson 9DI, c'est à votre tour maintenant. Excuse, Curtis. Vous êtes. Non, ça y est, je t'excuse pas, frère. C'est une catastrophe, Tobias, les gars, je l'aime trop. Ok, troisième question pour l'équipe des Mourisson 9DI. Et top départ à la Ribéry, je mange des entrecôtes à 1005. Est-ce que pour vous c'est du RP? Est-ce que c'est real ou est-ce que c'est fake? Qui fonce? Ouais, c'est fake. Snaps. C'est fake. Est-ce que vous confirmez cette? Oui. Attends, je te le refais. À la Ribéry, j'ai donné 2005. Ok. Snaps. Eh bien, c'est une bonne réponse. Plus 5 points pour le Mourissou 9 de I. Ah là 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 là, ils sont en bonne position là. 27 points contre 12 points contre les trentenaires. C'est parti, on va enchaîner directement avec. La dernière question pour les trentenaires et après en gros on va faire une question au buzzer. Donc la dernière question ça va être celui qui dit la bonne réponse le plus vite, c'est ça ouais. Ok, vas-y. Attention, est-ce que vous êtes prêts Misha, Stratouké? Monsieur. Ok, 3, 2, 1, top chrono. Ça fait trop longtemps que je cherche du taf. Moi je vais sûrement finir meilleur vendeur du tournoi. Est-ce que selon vous c'est une musique inspirée? Ça me disait RP, rien du tout. Ou est-ce que c'est une musique complètement fake d'IRL? À vous de me donner la bonne réponse. Quoi en tant que charge de taf, moi je fais ça. Je pense que c'est fake, hein, mais. Je pense que c'est une Attends. Je vois les deux autres, ils sont morts de rire, ça me fait. Ouais, rigole à tout. Attends, faut pas les regarder. Là parce qu'on se voit entre nous. Ça fait trop longtemps que je cherche du taf. Ça me dit un truc, attends, mais je vais. Attends. C'est Sacha, on allant à la ligue. Curtis, les gars, ils vannent beaucoup, hein, mais j'espère y perd ça. Non, en vrai, je pense que c'est réel. En vrai, de vrai, c'est réel. Attention, les gars, plus que 10 secondes. Real or fake, est-ce que vous... J'ai bien entendu. J'ai bien entendu, mais je sais plus où. Et je pense que c'est dans une musique RP. C'est une musique à toi, Gamingo? Ouais, peut-être. C'est bon. Ils ont donné la réponse, les gars. Tricheur, t'as dit ouais, peut-être. Non, c'était à la fin. C'est bon, c'est win. Allez, c'est bon, let's go. Plus 5 points. La musique, c'est Trio. Une musique que j'ai réalisée du coup avec Shooter. C'est basé sur Distant, en gros, de Maes et Nino. C'est pour ça que là, c'était un petit peu une question piège. Mais oui, c'est ça. Et ouais, du coup, la musique, c'est Trio. Trio, Paro, je suis dans le trio. J'ai trouvé des dédicaces dedans, je m'en rappelais plus. Et du coup, ouais, franchement, c'est même celle-là, elle a bien marché. Il y a eu 90 000 vues sur YouTube. Du coup, voilà, petite fierté ce son. Et les gars, on va passer à la dernière question pour la deuxième épreuve de Real or Fake. C'est le premier, en gros, qui me trouve les justes paroles ou le rappeur ou si MDL est Real or Fake ou des vrais arguments. On peut faire du bruit. Attends, alors c'est un buzzer. Et du coup, on crie buzz, etc. Ouais, non, en gros, okay, vous avez, là, ça va être le bordel et le premier qui me trouve le titre de la musique.
musique ou le rappeur ou quoi, c'est win, ok. C'est les 5 points pour lui. Ah, vas-y, je rappelle. Okay. Oh, il a un buzzer et tout ça. Okay. Attends, oh, ouais, je vais une poêle et. Une poêle, je vais ramener la marmite. Mais c'est bon, mais c'est bon, restez sur le plateau. Elle a ramené sa cuisine. Ok, les gars, 3, 2, 1, et top. Je suis toujours dans le feu de l'action. J'essaie de calmer mes tentations, real or fake. Vous avez une minute pour vous départager. Attention. Attention, est-ce qu'on peut faire Scarcise une proposition? Je buzz. Une proposition Scarcise. Je dois dire si c'est réel ou fake, c'est ça? Ouais, réel ou fake. Si c'est faux, Fais gaffe à ce que tu dis. Fais gaffe à ce que tu dis là. C'est fake. Et c'est une bonne réponse, c'est fake. Oh, c'est inspiré de Jaja Dina Manège. C'est trop bien parce que c'est par l'RP. Rappeur, ça se voit, c'est ça, exactement. Je suis toujours dans le feu de l'action, j'ai quand même mes tentations. Ouais, c'est vrai que là, les lyriques, en vrai, elles sont. Elles glissent, hein. Faut le dire, les lyriques, elles glissent des rappeurs. Ok, du coup, les gars, on va être bon pour cette deuxième épreuve. Plus que deux épreuves, hein. Ah là, ça commence à être compliqué. On va encore une fois, entre chaque épreuve, je mets le jingle et on pioche, comme d'habitude, les cartes légères, les cartes lyriques, à tout ce qu'on a dit. Et après, les gars, il nous restera plus que les deux dernières épreuves. Et elles sont vraiment intéressantes, les dernières épreuves. C'est parti, la dernière fois, c'est qui a pioché en premier, les gars? C'était qui? C'était nous. C'est nous. Ok. Bah, du coup, hommage au Mourissou 9 de 8. Du coup, à vous de piocher, carte ou carte puriste. À vous de me dire, les BG. On a fait carte puriste alors, on fait carte mystère ou on reste sur le puriste, comme tu veux. Comme vas-y, mystère, vas-y, on voit la Allez, carte mystère, soyons fous. Attention, tu as coma soif car tu n'as pas lu le chat. Malus de 5 points. Aïe, fallait lire le chat, les gars. Ok. Stratouké et Micha, à vous de piocher carte mystère ou carte puriste. Je vous écoute, les gars. Eh, vas-y, puriste, ça pue sa mère. C'est bon. Et la question, c'est la suivante. Vous avez une seconde. Il existe un clip version GTRP du son Marie de Kobalade. Et pour répondre, vrai ou faux? Ouais. Du coup, vrai ou faux, selon vous? Ouais, je pense que c'est faux. Je connais même pas Marie de Koba. Un clip de version Kobalade, en vrai je pense GTA, ouais, il est en gros, c'est le clip de Kobalade version GTRP. Marie, ouais, c'est Marie. Ça fait voir sur YouTube. Mais va pas sur YouTube, mais qu'est-ce que c'est? Attendez, regarde juste le clip. Non mais regarde pas le. Je regarde le clip de Kobalade, pas le. Ah, le café. Ok, mais même, t'as pas, tu vas t'aider sinon. Triche. Interdit je pense de que vérifier. C'est faux. Oh, ciré. Alors, du coup, là, vous dites quoi, réponse que tu veux, Je sais pas. Vas-y, je te laisse décider des bruits, toi. Vrai, faux, il reste 10 secondes, attention, 3, 2, 1. Tout est possible, mais je veux dire faux. Et c'est vas-y. Perdu, et moi je sais que c'était vrai, c'est vrai. Ouais. Oh, il a bien marché en plus, il a bien marché de ouf. Incroyable le clip de Kobalade Marie version GTA en plus. Et ouais, il a bien marché, ouais. Là, je l'ai devant mes yeux, je vais vous dire combien il a fait de vues. Il a fait, pour un clip GTRP, ouais, il a fait 400 000 quand même, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Oh, c'est même, c'est même très bien quand même, hein, pour du GTRP. Ok, les gars, on voit le lien dans la discu qu'on mate ouais, plus tard. Je vous enverrai ça, mais juste en fait, ça va niquer toutes les cams, du coup, je préfère rien toucher. Mais ouais, je vous enverrai ça plus tard, à la fin, je vous enverrai le GDoc et tout avec toutes les réponses, vous inquiétez pas, les gars. Du coup, troisième épreuve, je crois que c'est... Non, il y a 5... Ouais, mais les dernières, c'est les enchères. Troisième épreuve, les gars, il s'appelle le Roland Santos. Le but, c'est simple. Un personnage RP ou un streamer RP va être cité. Et vous devez nous dire avec qui celui-ci a déjà joué. Donc, dans un groupe, par exemple, Gamingo a déjà joué avec Stratouké. Stratouké a déjà joué avec... avec Intel. Lola. Et, voilà, Lola avec qui t'as déjà joué, etc. Par exemple, Tobias, il a déjà joué avec NS avec Intel, etc. Et puis, ça enchaîne. C'est le Roland Santos. Et à partir du moment où une équipe ou une autre équipe n'arrive pas à suivre, eh ben le point, 10 points par manche gagnée, 10, hein, parce qu'il n'y a que deux épreuves, les 10 points partent à l'équipe qui a gagné le point. Est-ce que vous êtes prêts ou pas les BG? Vas-y, qui commence là? Ok, du coup, en gros, c'est moi qui vais décider. Parce qu'en gros, on fait un à droite, un à gauche. Du coup, c'est les trentenaires qui vont commencer. C'est moi qui vais vous donner aussi le nom de la personne. Et puis après, c'est à vous d'attaquer, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, c'est bon. Il n'y a pas de. En gros, à chaque fois que c'est à vous, vous avez une minute pour répondre. Si vous dépassez ce temps, c'est perdu. Ok, les gars? 3, 2,
1, let's go. Avec qui Trixie a déjà joué? C'est parti pour ce premier Roland Santos et les trentenaires. J'en ai un, Srat. Elle moi, a déjà joué un. Avec Mr. B-Boy sur Story V à l'époque et elle faisait une détective privée. Ah, bâtard. Curtis. Ok. Mr. B-Boy. Mr. B-Boy, à l'aide. Vite. Ok, B-Boy, il a déjà joué avec. En RP. Oh, t'es trop forte. Oh là, ils les ont tués. Ah, c'est pas cool en vrai. Le Roland Santos, normalement, faut jouer un peu les uns les autres. C'est pas cool. B-Boy, il a joué avec. Il a joué avec qui? Attends, il était sur quel serveur? Mais c'était sur son serveur à lui, frère. Moi, je regarde pas B-Boy. Oh, moi aussi, je regarde ça. Ça date de quand, Michel, à peu près? Ça date d'il y a 2 ans. Ah, j'étais pas né, frère. Ah, je crois savoir avec qui il a joué en vrai, les gars. J'en ai plein de noms avec B-Boy. Ouais. En fait, c'est ça parce qu'il y a des streamers et des persos qui ont joué avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, mais c'est ça. On parle de groupe, genre. Ouais, ou juste jouer. Peut-être... Non, mais ils ont déjà joué ensemble dans un projet, dans un groupe. Ils avaient un RP en commun, en fait. Attention, les gars, plus de 15 secondes. Mais regarde, ils sont partis chercher qui aussi. J'avoue. Non, mais elle est trop forte. Elle est juste trop forte en fait. C'est mort. Je sais pas là. Aïe. Oh là 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 là. Sophie. MS Big Girl peut-être, non? Non. Oui, si. Oui, à l'époque, oui. Ah oui. Ah non, y'a pas d'engrainé. Micha, ils ont joué avec Sophie ou pas? Ou ils engrainent là? Ça me dit rien du tout. Sophie, ok, les gars, il vient de se passer une dinguerie là. On vient de revenir au score, les gars. 27 à 27 dans la compétition. Non, 27 pour les trentenaires, 27 pour les moulins. Aïe, elle fait mal. Hein. Ah là, ça fait mal, les gars. Là, les points ils font mal. Ça va faire très très mal. Et cette fois-ci, je vais donner des noms de streamers espagnols. Vas-y, envoie. Cette fois-ci, c'est à vous de commencer. Réponds pas direct. Attends, après, les gars, moi voilà, je rajoute 5 points pour le fair play. Donc, si jamais vous commencez avec un joli blaze et que vous faites pas les bâtards direct, je rajoute 5 points à cette épreuve. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Avec qui NS a déjà joué, Tobias? Okay, Regardez-moi. Vas-y. Mais toi, on s'en fout, ils vont pas dire oui, on sait. Ah, mais attends. Oui, voilà, t'es à l'époque quand ils vont être spawn. Ah, ils vont vous tuer, je crois. Oui, voilà. Ah, mais ils sont pas joueurs, là. C'est bonus, j'ai l'impression. Ils sont pas joueurs. Il va gagner, regarde-les. Bah, dis ça. Attends. Zéro fair play, moi, je voulais dire. Attention, 38 secondes, les gars, pour proposer un streamer. 38, c'est large, vas-y. Ouais. Non, mais ça, ils sont connus. C'est des bâtards. Regardez-les, c'est grave. Regarde. Attends, 20 secondes, les gars. Fair play. On va dire Adair. On commence gentiment, Adair. On est gentil. Oh, il est incroyable. Adair, les gars. Avec qui Adair a déjà partagé un projet, sérieux. Là, ça, on relance le jeu. Là, ils vous ont mis vraiment bien, ils ont fait les bons. Bah, en vrai, on va dire pour la suite, au moins, on va te citer toi, Gamingo, Familiz. Voilà, okay. Familiz, O'Neill, okay. Et pas que, hein, il y en a avec Adair. Ouais, il y en a pas mal. Et là, on peut pas besoin de se concerter avec. Je viens de rajouter 5 points pour cette manche parce que, voilà, les mourissons 9-2-8 ont été fair play. C'est parti, cette manche vaut 15, les gars, c'est parti. Attention, je remets le compte à rebours, les gars. Je remets le compte à rebours, 50 secondes. Vas-y, c'est parti. Vas-y, ok, Gamingo a joué avec Catalyst. Oh putain. Vas-y, au revoir. Voilà, allez, dis les termes, vas-y. Mais qui l'a joué? Ok. Est-ce qu'Artis, ça, ton problème? Je te à vous de jouer, les gars. À vous de jouer. Avec qui Catalyst a déjà joué dans un projet? Moi, franchement, Strat. Moi, je sais, j'en ai un. Strat, ok, c'est facile. Vas-y, Strat. Bah, du coup, Catalyst a déjà joué avec Lio dans un projet. Ok, bonne réponse. Le staff de G-Life. Ouais, le staff de G-Life. Lio, il a joué avec Vincus. Oh, c'est un bâtard. Moi, je le connais pas. Moi, je le connais pas. Bah, Vincus a déjà joué avec. Attends, je vais peut-être dire une bêtise sur ça. Dis-toi, Stratouké, si t'es bon, y'a moyen. Si t'es bon, Vincus, attends, mais Vincus, si je veux te battre personne, normalement, y'a Sura. Il est trop fort, bravo. Bravo, Sura, c'est validé. Au début, Familiz V2, les gars, y'avait moi, Sura et Vincus dans le même gang. En jouant. Ok, vas-y. Sura a joué avec Red Wolves.
à l'époque. Oh, c'est Reda. Oh, bien joué, là, ça revient. C'est Reda, c'est Reda. Ok, ok, ça repart, ça repart. Même si il relance, là, je suis chaud, là, bien juste. Vas-y, hé, Reda, tu le connais, toi, Tobias, non? Bon, alors là, mon frère, je connais tout, lui. Vas-y. C'est à eux, là. Mais je sais ou pas? Non mais c'est à eux là, ça. Ah merde, bah ouais, c'est à eux. C'est à nous. Ouais, c'est à vous. Relance le chrono pour Rumskin. Ah ouais, j'ai relancé le chrono. Vas-y. On va juste enlever 10 secondes. Ok. Micha, tu sais ou pas J'en ai pas, je connais pas. Red Wolf. Attends, mais Red Wolf, il a. Oh putain, en plus. Le pire, hein, le pire, les gars, c'est que. Le pire, c'est que c'est trop facile, les gars, c'est ça le pire. Quand je vais vous dire qui c'est, là, surtout vous, la GK, vous allez tous connaître. Même ta commu, Scarty, ils doivent connaître. Hein. Même toi, Tobias. Ouais, mais moi, je sais qui. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça quand tu prends du recul, quand tu vois ce qu'il a fait, le personnage. Il a hard carry, moi, à cette période-là, tu vois. C'était même un des plus connus, je veux dire. C'est quoi, on va arrêter de donner des indices. Ah, on peut pas donner d'indices. Attends, si tu fais peut-être de la période d'O'Neill, j'espère que c'est celle-là. Faut dire un streamer O'Neill, peut-être. Non, Micha, mais après j'ai pas d'autres idées. Ah, bah, Astar. Non Non, plus vieux. Ah, c'est plus vieux que ça. Ouais. Mais il y a des pages. Chef, le temps là. Lisez pas le chat. Le compteur, c'est fini. C'est fini. Eh les gars, attendez, la réponse. Eh, c'était Tonton Dari. Tonton Dari D'O'Neill. J'ai joué avec lui à l'époque. Ouais, du coup, il y avait Shimigang. Il y avait Tobias aussi qui a joué avec lui. Il y avait tout O'Neill à l'époque. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Du coup, 15 points pour les Mourisou 9D. Merci 15 beaucoup. Points, frère, c'est incroyable. Ok, gentil, monsieur le jingle, les gars, et on passe tout de suite aux cartes mystères 4 puristes. C'est parti. Putain. Ok. Ok, les gars, je retire du coup mon petit truc et on va passer aux cartes mystères 4 puristes. À vous, les 30. Ouais, 15, nickel. Enfin, on gagne, on est trop bon. À vous les 30. Après, rien n'est joué. Les prochaines manches, Val 10, Val 15, etc. Vous allez voir, il reste encore deux épreuves. Ouais, carte mystère ou carte puriste. Je vous écoute, du coup, les trentenaires. Et désolé encore pour Blas, les gars. Puriste, parce qu'on est trop mal en point. Ok, attention, carte puriste. Je mélange. Et il est possible de braquer une banque à cheval. Attends, bien sûr, sur Red Dead, bien sûr. Ouais, sur Red Dead, ouais. Je parle sur GTRP, hein, bien sûr. Ah, Attends, c'est quoi cette question? Attendez, on va la refaire la question, les gars. J'ai pas compris la régie là. Attention. Ah. Ils sont bourrés. L'Algérino a déjà fait du RP. Vous avez une minute pour répondre à cette question. L'Algérino. Alors, je sais que sur Feili, il y a eu un rappeur qui a fait un live en direct. Je sais plus comment il s'appelle. Mais l'Algérino. Ah, en vrai, pourquoi il aurait écrit l'Algérino si ça serait pas vrai? Bah, sûr, il a fait le clip, mais est-ce qu'il a fait du RP à côté du clip, en fait? Bah, ça compte. Bah, ça reste un clip RP, donc c'est du RP. Donc c'est du RP. Attention, donc, plus oui. que 30 secondes, les gars. Oh, alors, si l'Algérino a déjà fait du RP, selon vous. Vous m'avez dit faux. Vous m'avez dit vrai, pardon. Non, vrai. Vrai. Ouais, vrai. Et c'est une mauvaise réponse. L'Algérino n'a jamais fait de RP. C'est Alonso qui a fait un concert RP. Ah, c'est Alonso, tu vois, j'avais raison, c'était sur Feili. Putain, sinon, l'Algérino, il a jamais mis les pieds dans le RP. Du coup, voilà, c'est une mauvaise réponse. Je me suis dit que c'était possible, putain. Aïe, ça devient compliqué là. 42 contre 27, et on attaque tout de suite la quatrième épreuve. Et c'est parti. Quatrième épreuve. Et la cinquième, elle est rapide. Ok, les gars, attention, on approche, les gars, à la fin de l'émission. En tout cas, encore merci, les gars, de participer. J'espère que le concept vous plaît et tout. Je suis désolé pour merci les bugs au début. Merci à toi pour l'invitation. Qui nous a fait perdre du temps. Du coup, voilà. Je suis déçu, je perds. Non, mais t'inquiète, c'est encore jouable. 5 points là par bonne réponse, d'accord. Et c'est parti pour la quatrième épreuve qui s'appelle perso or fake. En gros, ça rejoint un peu la deuxième épreuve. Un personnage RP va être cité à tour de rôle. Vous devez nous dire si celui-ci est un personnage qui a déjà existé ou qui existe ou qui a littéralement jamais été fait. Ok, on vous donne un nom, un nom de perso et tout. Vous devez dire s'il existe ou pas, ou si c'est du fake, ça n'existe pas. Vas-y. Okay, c'est que des streamers ou pas? C'est des persos que vous pouvez connaître. On s'est basé sur vos connaissances. Ok, c'est good. Vas-y, c'est good, marche. Attention, quatrième épreuve, les gars, c'est parti. Et du coup, on va commencer. C'est qui avait commencé la dernière fois? C'était les Mourisou. On va commencer. C'est trentenaire, je crois. Les trentenaires. Ok, bah ouais. On va commencer avec les Mourisou cette fois-ci. C'est parti.
top 60 secondes. Est-ce que Billy O'Neill est un perso real ou un perso fake qui n'a jamais existé? Vous avez donc une minute pour répondre à cette question. Attends, c'est nous là? Ah, ok. Ah, ça, Larry, Elwood. Billy. Billy. Oh, Billy, fils de. Billy, Billy, Billy Jim. Bah, pour moi, il n'y a pas de Billy. Billy. C'est peut-être attends, une question piège, hein. C'est GTA Live ou pas? C'est GTA Live, LSC, c'est tout serveur confondu et c'est basé selon... Ah ouais. Ok, c'est peut-être la nouvelle génération d'O'Neill et là c'est probable. Du coup, en vrai... Zegmalongo ou Lucia, donc je te laisse faire. Bah, en vrai là c'est 50-50, je te mens pas, je pourrais te renseigner sur les anciens O'Neill mais les nouveaux là c'est chaud. Genre, pour moi de toute façon les seuls vrais O'Neill qui existaient c'est les O'Neill d'avant, après pour moi c'est... Il reste combien de temps là, chef? Il reste 10 secondes, les gars. Bah, pour... c'est quoi? Go, go. Oui. 50-50, go, oui, vas-y, oui. Oui, 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 Billy Jim. Oui, Billy O'Neill, oui. Vous m'avez dit donc oui, et c'est une bonne réponse. Félicitations pour 7 points. Et attention, les gars. Billy O'Neill. Billy O'Neill, il a existé dans la version des O'Neill. Il s'appelait Billy Bob et tout. Il a aussi existé sur LSC. Là, actuellement, il y a un perso qui s'appelle Billy O'Neill. C'est une masterclass sur LSC. Il est super bon. Ouais, du coup, vous ne vous connaissez pas, mais c'est pour ça qu'on a, on a posé au Mourisou. Du coup, voilà. Plus 5 points encore, les Mourisou. Ils ont 47 points. Aïe, 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 aïe. Bien joué, bien joué. Ouais, tranquille, tranquille, tranquille. Pourquoi on a 22? Pourquoi on a reculé à... Pourquoi on a fait moins 5 là? Ah, vous avez pris. Ouais, c'est la carpuriste. On était à 27. C'est la carpuriste. Quand vous avez faux, c'est moins 5. Ah, c'est moins 5. Ça fait mal la carpuriste. Ok, top, top. Prochaine question pour les trentenaires. Vous avez une minute pour répondre. Est-ce que le perso Miguel Raconte est un perso real or fake? Est-ce que Ronaldinho a existé? Est-ce que Messi a existé? Ouais, j'ai envie de dire... j'en sais strictement rien. Hein. C'est du... Bah pareil, c'est un gros 50-50. Hein. Et vous, Skartiz et Tobias, vous savez, vous avez une idée ou pas? Mais bien sûr. C'est bah trop oui, facile, on est d'accord. Bah, comment on va dire vrai, hein. On va dire perso, perso. Je sens le bait. Je sens le bait. Moi, conseil d'amis, écoutez-moi, il a existé, voilà. Arrête. Je vous dis ça. Attends, il me stresse. C'est il un me bâtard. Stresse. Non, là, il veut nous pousser à dire bâtard, non. Vas-y, on dit oui, juste parce qu'il a dit oui. Parce il que là, il veut nous pousser à dire non. Vas-y, on dit oui, vas-y, on dit oui. Vous dites oui? Vous dites oui, c'est validé, Micha. J'ai piqué. Trop peur. Moi, je dis rien, je fais confiance à Micha. Ah, t'es sûr? Alors, vous êtes sûr? Attends. Vous êtes sûr? Attention, il est dans mon crâne. Gars, vas-y, je dis perso. Si, c'est perso, il est dans mon crâne. Il faut qu'on dise l'inverse. Mais non, oui, on va pas dire l'inverse. Attention, 5 secondes, les gars. Vous m'avez donc proposé vrai pour Miguel à raconter. C'est clairement vrai. Et c'est le perso de tout simplement Gel Tommy. Voilà, sur Flashback. C'est son perso actuel. C'est son réflexe. Il a failli dans mon crâne. Donc voilà, c'est une série que vous connaissez pas. Ok, je connais pas. Prochaine question, est-ce que vous êtes prêt le Mourisou 9 de I avec 47 points? Oh là là, balance, là balance. C'est énorme. C'est allez, frère, on écoute même plus les points. Ok, 3, 2, 1, top chrono. Est-ce que Nikita Dragoon est un perso real or fake? Pourquoi tu rigoles? J'ai pas la ref. Attends, vas-y. Non, mais je rigole parce que gros, qui va s'appeler Nikita Dragoon, il va avoir son prénom. Arrête de rigoler, on a perdu 10 secondes. Parce que Skartis, il connaît bien le prénom, c'est toi. Il est compris. C'est pas le même nom qu'ils connaissent. C'est la régie, les gars. C'est la régie. Moi, écoute, moi, je dirais un truc. Les deux depuis tout à l'heure, elles sont vraies. Et Nikita Dragoon, je vois vraiment pas un dossier être accepté avec ce nom-là. Du coup, pour moi, c'est fake. Comment ça, ce serait pas. Je serais étonné de voir certains noms. Ouais. Attends, je vais regarder le chat. Dragoon, bon. Non, regarde pas le chat. Pour moi, c'est fake. 20 secondes, les gars. 20 secondes. Non, c'est fake. Tobias, fake. Tobias, est-ce que tu suis? Vous me validez ça? Fake. Qui va s'appeler Nikita Dragoon, frère? Vas-y, comme ça on leur donne des points. Vas-y, fake. Vous m'avez donc proposé fake. Donne des points, eh bien, écoutez-moi bien, c'est une bonne réponse. C'est une personnalité publique, c'est en aucun cas un personnage RP. Attends, il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle comme ça? Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle comme ça. Bon, je te mens pas, je connais pas personnellement, c'est la régie qui a fait, mais je crois qu'il y a une Nikita Dragoon. C'est quoi toi, Skarty? T'as l'air d'être bien renseigné, frérot. C'est pas une autre Nikita. Moi, je connais Nikita Bellucci. Moi aussi, je la connais. Ok, du coup, les gars. Prochaine question, est-ce que vous êtes prêts? Dernière question de la quatrième épreuve et on va attaquer l'ultime épreuve, les gars. Et c'est la cinquième après. Là, ça va être la ligne droite, là, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Pas le droit à l'erreur, les trentenaires sur celle-ci. 3, 2, 1, go. Est-ce que Bill Clinton a déjà existé en RP? Est-ce qu'il y a déjà eu un perso Bill Clinton? Réponse real ou réponse fake? Normalement, tu n'as pas le droit au nom de personnalité. Ouais, il y a eu un Clinton sur G-Life, mais c'était pas Bill, c'était un ancien lieutenant. Mike.
Non, en vrai, je pense pas. Hein. Bill Clinton. Mmh. En vrai, je suis sûr, sur certains vieux serveurs, ça a dû exister, forcément. Ouais, mais là, il a dit LSC et j'ai la... serveur que j'ai vous la... avez côtoyé, tu sais, vous, les invités, moi-même. Voilà, j'ai bah, non, tu sais très bien que non, en fait, on n'a pas le droit à ça. Donc, pour moi, c'est fake. Attends... Bill Clinton. Attends, mais c'était pas un flic, un vieux, un flic qui avait les cheveux gris et qui était à moitié raciste? Je sais pas, j'ai pas connu. Bill Clinton. Oh, si, si, 100%, c'est lui. Les gars, c'est la fin du compte à rebours. Si, c'est perso. Fake, attention. Stratouquet, tu me confirmes que c'est. Je crois que c'est le perso que je pense. Misha, tu valides aussi? Oui, je valide. Ok, donc vous m'avez dit vrai et là. Réponse, c'était, eh bien écoutez, il n'y avait aucune question piège, c'est complètement faux, c'est juste le 42e président des États-Unis. Oh, c'est grave, oh là là. Il y avait aucune question. Attends, mais ça fait comment le perso flic, et... attends, mais il y avait un Bill, il s'appelait Bill, non? Moi, je sais même plus, ouais, il y avait un Bill, mais pas Bill Clinton. C'était juste le président des États-Unis, les gars. C'est grave, la haine, je suis désolé. Eh ouais, mais sur G-Life, on n'a pas le droit. C'est pour ça, j'ai pas compris. Ok, les gars, la dernière, le dernier tirage au sort. 52 points pour les Mourisson FDI, 27 points pour les trentenaires. C'est la dernière carte, les gars, que vous allez tirer, puriste ou mystère. À vous l'honneur, les trentenaires. Go mystère, au point on en est. Go mystère. Ça va peut-être doubler, ça va peut-être doubler les points, c'est jamais. Les gars, si vous tombez sur un malus, c'est la merde. Hein. C'est la merde, là. Bah, de toute façon, au point on en est. Attention. Tu participes au Fame or Shame. Mais ton talent était de manger des hamburgers à foison, tu finis à l'hosto, malus de 5 points. Mais ouais, mais c'est quoi aussi? Il y a que des malus. Zéro bonus. Mais il y a des malus dans ton truc. Bah non, il y a des malus là, putain. Je vous jure qu'il y a autant de malus que de bonus. Viens leur donne 2 points. Comme ça, on a rendu à 50 et ils n'ont pas à 29. Vas-y, donne-leur. Ok, la régie, ils sont insolents. Sachant qu'il y a la dernière épreuve, ils sont insolents. Est-ce qu'on peut transférer 2 points des Mourisous pour les trentenaires, s'il vous plaît, les gars? Vas-y, on leur serre la main pour les 2 points. Merci, les gars. Allez, c'est cadeau. Allez, vous achetez un café. Les gars, vous voulez que je vous dise un truc ou pas? Rien n'est joué parce qu'on arrive à la dernière épreuve, les enchères. Et là, il n'y a pas 5 points à gagner, il n'y a pas 10 points à gagner, il y a X points à gagner par nombre de enchères que vous allez faire. Je vous explique. Je vous explique les règles. On va donner un personnage RP ou un streamer et vous devez nous dire combien de personnes vous serez capable de citer en featuring collaboration avec lui. En gros, par exemple, je sais pas, genre combien de perso Gamingo a fait. C'est un exemple tout bête, hein, mais il n'y a pas ça. Et par exemple, Stratouquet, tu vas dire moi je peux en citer 3. Skartis, tu vas dire je peux en citer 5. Misha, tu vas dire je peux en citer 8. Et etc. etc. Plus ça monte, plus vous allez gagner des points. Si jamais vous n'arrivez pas à assumer votre enchère, le dernier qui a enchéri, si jamais ça passe pas, vous, les points remportent, passent chez l'autre équipe. Dis-moi, Tobias, la question. Est-ce qu'on peut mettre en sourdine l'équipe adverse juste le temps qu'on se... Ouais. En vrai, faites-le ensemble, non? Faites-le ensemble. Faites-le ensemble. Ils ont 50 points, ils travaillent ensemble, c'est fou. Bref, ils ont donné deux points déjà, on est endettés. Les gars, vous connaissez le concept des enchères. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde a bien compris les règles? Oui, c'est bon. Ok. Vas-y. Ok. Du coup, les gars, c'est parti. Mais attends, ils ont tiré leur carte mystère, carte puriste, les Mourisseaux? Non, même pas, je crois. Bah non. Carte mystère ou carte puriste, les gars, du coup? Avant qu'on attaque la cinquième épreuve. Puriste. Attention. Vous avez donné deux points, récupère. Ah non, ça, j'ai déjà fait. Oh putain, ça aussi, j'ai déjà fait. Hop là. Oh putain, mais non. Attendez les gars, c'est la merde. On a plus de carte puriste. Ok, bah écoutez les gars, ça va être une carte mystère. Allez, ça part de là. On va avoir un bonus. Merde, ça aussi j'ai déjà fait. Putain, je suis con. Ah non, ça aussi j'ai déjà fait. Tu t'es fait prendre en flagrant délit en train de vendre de la mette. Malus de 5 points. Mais attendez, mais les gars, il y a une couille là. Il y a que des cartes malus. Allez, mais c'est le bordel. Non, c'est pas ce qu'on a demandé. Il y a que des cartes malus. On vous rembourse moi là. Moins 5 points, c'est bon. Vas-y, mets moins 5. Mais vas-y, moins 5, 45. Non, mais Siri, c'est normal, il y a que des cartes malus dans les cartes mystères ou pas là?
Non, mais c'est terrible quand même. Ok, bon, les gars, on attaque la meilleure, meilleure épreuve à mes yeux. Hein. À mes yeux, c'est la meilleure épreuve parce que ouais, c'est du bluff. C'est de la stratégie, c'est de la connaissance, c'est de la culture. Et c'est l'ultime épreuve parce qu'en fait, là, tu peux absolument gagner la partie. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour la cinquième et dernière épreuve? C'est allez, parti. Et je vais donc ouvrir le bal avec combien de serveurs français pouvez-vous nous citer sur GTA RP 5M? Même okay. Qu'ils ont fermé Ouais, ouais, qu'ils ont Wait fermé. List, free access, peu importe. Ouais. Okay, ouais. Après, 10. Déconnu. 10, 10. Ok, attention, première enchère. Les Morisou 9 de I qui nous 10. Propose 10 serveurs. On commence par 10. Je rappelle que c'est après. En une minute. Hein. C'est en une minute. Et s'ils se trompent, après, c'est fini. Genre, les points nous reviennent. Ah, genre, oui, s'ils disent oui, 10 et on leur laisse 10. S'ils font pas les 10, oui. les points vous reviennent à vous. Hein. D'où le principe okay. des enchères. Ok. Allez, ouais, 10, je lance le chrono, les gars. Une minute, vous avez une minute pour vous décider si vous faites l'enchère ou non. Non je réfléchis de tête, c'est ce que je peux citer. C'est compliqué. C'est beaucoup, 10 ça. Moi, je pense que tu devrais. Non, non, je l'ai. J'en ai 7 en tête. J'en ai 2. C'est beaucoup, 3, hein. 4, c'est beaucoup. Il a mis la barre haute. 5. C'est beaucoup. Le français, t'as dit exclusivement français. Hein, c'est ça non, c'est international. Ah oui, non, serveur français, pardon, serveur français. Ah, français, j'allais dire que je peux t'en citer 15. Ouais, ouais, désolé. De base, c'était international, on a dit tout d'un coup. J'en ai 8 d'un coup, là. J'en ai 9. Je peux t'en citer 30 ici, j'en ai 5, je peux t'en citer 40. Oh, ça va, dans le chat, frère. On tente à 11 ou 20? Attention, les gars, 20 secondes. Oh, deux petits joueurs. Ok, 11 pour l'équipe des trentenaires, 12 pour l'équipe des Mauriciens. Allez, ça avance. 14. Oula. Franchement, on les assume normal. Ok, bah écoutez, 14 pour l'équipe des Mauriciens 9DI. Votre décision, les trentenaires, 14 points à gagner, là, on rappelle, hein, s'il atteint. Oui. 14 points à gagner. Hein. Est-ce que vous serez capable d'en citer au moins 15 ou est-ce que vous vous couchez et donc vous les laissez citer les 14 serveurs 15 en vrai, c'est beaucoup 15 ans 15, déjà. C'est beaucoup, ça va hein. vite, beaucoup, mais. 15, c'est beaucoup. Nawa qui t'en cite 100. Ah, Nawa, c'est le mec qui troll dans les free access. Sans ouvrir 5M, j'aurais du mal quoi. Ah, que 5M, ouais, c'est compliqué. Non, en vrai, de mémoire, j'en ai que ok, ouais, les gars, va falloir me proposer là maintenant. Le temps est imparti. Est-ce que vous êtes capable de. Non, vas-y, on les laisse. 15. Ah, on les laisse, on les laisse. Ok, on les laisse. Les gars, allez, les gars, je vais faire le décompte, ouais. D'accord. Vous allez okay. avoir vas-y, une vas-y. Minute. Hein, une minute. Et on va okay. vérifier. Si jamais il y en a un qui est pas bon, je vous le dis direct, d'accord. Je vous dis direct, c'est pas bon, les gars, c'est mort. Ok. Cartier, je commence dès que j'en ai plus, tu suis. Vas-y, allez, go. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour le décompte? Je en même temps ce que t'as dit, comme ça, je me perds 3. Vas-y. 2, 1, 1 minute pour citer 15 serveurs, 14 serveurs okay. pardon, français. By Life, By Life, LSC, GTA Life, Flashback, pardon, Flashland, Fantastic, pardon, City RP, Oasis Cartiz. Ok, t'en as fait 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7. Ouais, ouais, continue. Okay. LSC, continue. City. Faily 5, Restless, Restless RV, Flash Reborn, 11, il reste 20 secondes, 11 serveurs, il reste 20 secondes, oh, peut-être les 15 points qui vont partir ouais, chez les 30. J'étais à light, Fatality, Extraction, ouais. Non, non, RP, si, arrête, non, Extraction c'est refusé, on a 13 là les gars, on a 13. Il reste 4 secondes. Adastra, 14. Le dernier. C'est pas... Allez, c'est perdu, Adastra, les gars. C'est perdu. Vous êtes à 14. Non. Vous êtes à 14. Attends. Attendez. Stop. C'est pas 5M, c'est Adastra. Bon. Non, attendez. Oui, les gars, ils avaient dit 14 ou 15 pour les enchères? 14. Adastra, c'est pas un serveur 5M. Ah non, c'est un serveur français. C'est compris. C'est compris. Ils sont à 13. On a. Ils sont à 13. Non, le chat, tout le monde a dit que vous êtes à 13, les gars. Non, on a 14. Non, vous êtes à 13. Attends, mais non, wesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Après, j'ai dit Adastra qui était là. J'ai dit quoi d'autre? On a dit, t'as dit GTA Light. J'ai pas noté. GTA Light, c'était bon. Est-ce que vous avez entendu Alinia? J'ai dit à la fin Alinia.
Non, t'as oublié qu'il s'est dit Alinéa et Ikea serveur RP aussi. Moi, je demande de la voir. Alinéa, c'est un vrai accès, je me souviens. Moi, je demande de la voir. Moi, je demande de la voir. En fait, on a les jurys. LSCT a été cité deux fois. Ah, en fait, les gars, on a les jurys là. C'est ces ridicules qui sont organisés de la régie de l'organisation. Et elle m'a dit que vous avez fait que 13 et que c'était pas valide. Et que LSCT a été cité deux fois. Et que Extinction n'est pas valide. Extinction, c'est pas valide. C'est pas un serveur RP. Du coup, on a 13 malheureusement. Il existe vraiment. Et attention. Attention, les trentenaires, vous passez de 24 points à plus 14, donc 38 points. 38 points, les gars, 38 points pour les trentenaires. Et tout va se jouer sur cette dernière et ultime manche, les gars, c'est incroyable. Ils sont revenus. Hein. Oh là là, ils sont revenus, c'est incroyable. En vrai, ah non, attends. Forts. Non, oui, c'est vrai, il a raison, chat. En vrai, les LSC et LS City. Ouais, c'est ça, LSC et LSCT, il y en a eu deux. C'est pas la. Bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y, Google, les régies, ils ont suivi, ouais, c'est... Moi, les gars, je pense que je fais confiance à la régie. Hein. 20 points dernièrement. Dernièrement, c'est 20 points. Non, dernièrement, c'est les enchères, c'est pareil. C'est pareil, parce qu'en gros, c'est le premier qui aura les enchères qui va win, t'inquiète. Dans tous les cas, celui qui remporte la dernière manche, les gars, il gagne le RPG, hein, sachez-le. Du coup, on est parti pour l'ultime manche. Est-ce que vous êtes prêts, les gars là? Vous le sentez bien, c'est bon là, vous le sentez, ça va le faire. Ok. Vas-y, envoie la question, chef. 2, 1, c'est parti, le thème pour le dernier, la dernière question. Combien de streamers internationaux compris, hein, RP, pouvez-nous nous citer? RP, hein. Qui ont déjà fait du RP. Ok, yes. Là, les gars, sachez que des là, streamers. C'est large. Streamers. On peut citer des internationales et français. International, français, tout ce que tu veux. Des streamers qui ont déjà fait du RP. Là, les gars, c'est super large. Je t'en au moins 15, facile. Ok, 15 pour les trentenaires. 20. Ouh là là, 20 pour les Mourissous. Mourissous 9D. Ah, en vrai, je pense que... Une minute, faut pas oublier, les gars. Oh, ah, la game vaut 20 points. 25, Stratouké. Ouais. 25 pour Stratouké. Une minute, je te promets, c'est court. Après, les gars, c'est des streamers RP. Hein. Je veux dire, moi, même là, il y en a 26, 4. Hein. 26. Dans le chat, il y en a 27, ok. 27 pour... Oh là là. Oh, la manche en 27 points, c'est incroyable. 28. Oh là là là. Ok, 28 29. Pour les Mourissous. Oh ok. On arrête. Laisse-moi réfléchir, 2 secondes. Une minute pour réfléchir, les gars. J'en connais sur les doigts d'une main, c'est-à-dire qu'en gros, là, je peux débiter. Moi aussi. Ouais, de ouf. Moi aussi, mais le truc, c'est que... C'est court, une minute. Ah, vas-y, frérot, vas-y. Alors là, 30, mon gars. 32. On vous laisse, c'est cadeau, 30 cadeaux. Allez, prends. Attends, pour le moment, il a 29 là. Là, est-ce que vous 29, prenez. Est-ce que vous le prenez à 30 moi. Vous le prenez à 30 ok, ou écoute, pas est-ce que t'es capable d'en citer 15 de ton côté? Moi, je peux en citer 15 de mon côté. Après, Benek, on a les mêmes. Ah, hein, vous allez dire les mêmes, c'est sûr, les gars. Non, moi, il y en a plein déjà que je peux avoir d'ordre. C'est trop facile, 29. En vrai, c'est giga facile. Vraiment. Ouais, ça va vite. Tu débites super vite sur ça. Vraiment, je peux. Bah, alors là, 0 hein, pour le coup. Vas-y, j'avais dit 32, mais 30. Le nombre 30, de streamers, elle est speed. Vas-y, 30. 32, t'as 30. Dit ok, 30, on bloque. On va aller. Stratouké, tu suis renchéri ou pas? Micha, on les laisse? Stratouké, je te rappelle. Ouais, ça va être dur de débiter en 1 minute 30 de streamers et vérifier qu'ils se bloquent. Vas-y, laisse-les sur ça. Allez, on les laisse sur 30. Ils ont gagné. Ok, on se fait un truc. Regarde, on se met d'accord, Tobias. Tobias, on se met d'accord, toi et moi. Ce qui se passe, c'est que moi, je commence et toi, tu suis avec ce que t'as pas, ok? Faudrait 32, très, hein. Faudrait être très rapide parce que c'est. Ah, c'est 30, t'as pas 30, c'est 30. Non, 30. C'est-à-dire, en 2 secondes, on en donne 1. Et c'est rapide, 2 secondes. Vas-y. Ok. Vas-y. Vous êtes prêts? Ok, les gars, le chat, vous êtes prêts? Le chat de Scartis, est-ce que tout le monde est prêt là? Tous les participants, est-ce que tout le monde est prêt? Je rappelle, c'est l'ultime manche, les gars, du RPG. Le vainqueur de cette manche, il remporte le RPG. Et donc, c'était que le mental. Ouais, là, c'est mental. Là, ça va être chaud. Vous allez avoir une minute, les gars. Une minute, d'accord? Et vous allez devoir me citer 30 streamers français, internationaux, qui ont déjà fait du RP. Est-ce que vous êtes prêts, le FC Mourissous 9DI? 3, 2, 1. C'est parti, okay, top départ, les gars. Ok, XQC, Kameto, Gamingo, Ader, Skartiz, Anas, Tobias, Cassette, Aurélien, Lio, Little Big Whale, Bob, Elia, Période, Prince, Amine, Tommy, Elias, Fake, Bichou, Nateos, Soura, Vincus, Catalyst. 25. Catalyst. Continue, Tobias, continue. iMilk, iMilk, au délire. Gugus, What the Dingue. Arcos, Juliette. Rosa. Arcos, Juliette.
Ouais, voilà, bah, c'est bon. Bâtards. C'est bon. Allez, bon. Bon. Bâtards. Mais il a débuté de sa part à toi, c'est lui. Une liste de streamers GTA sur R. Ah, mais t'as préparé ta liste. De quoi? Ah, il a préparé sa liste. Non, 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 attendez, depuis tout à l'heure, je réfléchis. Ah bon, j'aurais préparé la tête de Wam. Tête de Wam, j'aurais préparé. Eh, je suis en mode live, il est en plein écran, je vois pas le chat, je vois rien. Non, non. Y'a pas de triche. Ah, mais écoutez, les gars, au calme, c'est validé, c'est validé. C'est validé les gars, victoire du Mourisou 9-2. Vous prenez 30 points, frère. 30 points, 75. Les gars, franchement, 75 points, c'est énorme. C'est énorme, ils ont été très bons. Gros GG au Mourisou 9-2. Maintenant, le gage tout de suite, les gars, sera touqué. Tu vas devoir faire la promo de Skartiz. Lui dire voilà qu'il a. Attends, est-ce que Micha, tu connais qui est le plus entre. L'un et l'autre. Entre... Ah ouais, tu connais. Je connais pas Tobias, moi je connais que connais ni Skartiz ni Tobias. Pas... Non, non, pas du tout. Putain. Vas-y, tu vas-y, quoi, bah, vas-y, Tobias, envoie-moi un truc de. Toi, Sratouké, tu prends qui toi? Tu prends Tobias ou Sratouké pour faire sa promo? Hein tu... En fait, là, vu que t'as perdu, tu vas faire la promo. Moi, je fais des live au tub. Dans ce cas-là, tu fais qui? Tu prends... Je connais plus Skartiz. Plus Skartiz. Ok, moi je prends Tobias, les gars, je commence. Micha, franchement, tu dois m'aider là, parce que normalement c'est toi qui es censé le faire. C'est-à-dire là, tu vas m'aider. Les gars, Tobias a gagné. Moi, les gars, j'ai envie de parler de Tobias parce que c'est un jeune phénomène du RP, les gars. Il est très drôle. Il est à l'aise devant la cam. Il a un bon RP. Son perso, même s'il s'appelle Tobias, eh ben on voit qu'il a un certain caractère. J'ai fait des scènes avec lui, c'est un régal. Il est à l'aise, les gars, devant la cam. Voilà, il a le potentiel. On l'a rencontré. Allô, allô, merci mon ref. Donc voilà, aussi, n'oubliez pas ce qu'il y a. Et vous pouvez le retrouver sur LSC. Incroyable. Oui. Ouais, du coup, vous pouvez le retrouver sur son stream sur LSC avec son perso qui est. Merci. Ouais, ok. Voilà. Et du coup, et vous le retrouvez tous les jours. Stratouké et Gamingo qui stream et Skartiz aussi. Et Michananas. Mais non, mais toi, fais pas la promo, frère. Allô, on m'entend ou pas? Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Allô, Gamingo okay, bon. Aussi, il a un sub d'été de gold. Oh, il reste 3 jours, allez-y. Ça coûte 5 euros, ça flingue. Merci, mon ref. Ok, bah, hey, Tobias, tu devais pas faire la promo, toi. Tais-toi. Là, c'est gratuit, mais c'est un plaisir. C'est bon. Du coup, Tobias, les gars, ce GOAT, tous les jeux, enfin, vous le connaissez. Bref, il joue avec NS, avec Minos. C'est le frérot, gros GG à Toby. Et ensuite, c'est Stratouké qui va devoir faire la promo de Skartiz. Hein, alors là, ça va être tout simple hein, pour alors, Skartiz. Alors... sur plein de serveurs différents. Je pense qu'il est meilleur que tout simplement. Voilà, ça reste la meilleure imitation de Booba française jusqu'à ce jour. C'est vrai. Que dire de plus, c'est Skartiz, excellent streamer. Et en plus, il est beau. Il est quand même pas mal, il est soigné et tout, il a une petite barbe. Moi j'aime bien personnellement. C'est vrai. Plaisir de ces dames et aussi de ces hommes peut-être, je ne sais pas. Et puis voilà, tout simplement. Eh ben voilà frère, les gars. Quel frère. Eh ben voilà les gars, c'est donc la fin du RPG. Un gros merci les gars dans le chat pour leur participation à Stratouké, à Skartiz, à Micha et à Tobias. J'espère que ça vous a plu, même si c'est bug. Je suis merci désolé les gars. J'espère merci voilà que aussi. Le concept vous a plu et tout. J'ai grave kiffé cool, les gars. Cool. GG au Mourisou 9DI. Et puis merci les frérots. Bon courage à vous. Bon continuation à vous. Je vais faire une dédicace. Fais une dédicace, même si t'as perdu, fais une dédicace. Voilà, Kelly Bébou, bisous. Ah ouais, ça y est, ouais, les dédicaces comme ça, là, ouais, ma bestie et tout. Moi aussi. La dédicace, faites les dédicaces. Attends. Dédicace à Hafid, Abbas, Hamid, de ceux du quartier 9295, on a un bleu sans les refs. Je suis en Espagne, mais ça flague, je vous oublie pas. Ah, c'est bon, vas-y, écoute. Dédicace, quand même. Moi, je vais quand même une petite. Voilà, associer la modération de chez toi, quand même. Ouais. Je veux dire que Belek. C'est le meilleur modérateur, voilà, j'ai rien d'autre à dire, dédicace. Ouais, ils sont chauds. Bah écoutez, les gars. Et aussi à Azuka qui m'a accepté Vagos, je sais pas comment, mais il m'a accepté, merci frérot. Ah, il t'a accepté Vagos, bah GG. GG. Vagos sur G-Live du coup. Ok, bah écoutez, les gars, c'est carré. J'ai une question. Vas-y. Si, Belek, meilleur. C'est quoi la suite du Deezer là? La suite du Deezer là, moi, je vais aller en RP là. Je vais jouer aux Sims, okay. Dis-toi, Roya. Je vais aller découvrir les Sims pour la première fois de ma vie, j'ai jamais fait. C'est bien ou pas, les gars? C'est bien ou pas, les gars? C'est trop bien. Skartiz, c'est trop bien. Ils vont kiffer le chat aussi. Ça ah ouais? Ok. Bah écoutez, les gars, moi je vais vous laisser. On va continuer le teaser. Merci encore pour la participation. Merci d'avoir répondu. Merci vraiment, ça fait plaisir. Et force à vous, les gars, que du bonheur, que le meilleur dans vos projets. Ciao, ciao. Bisous. Merci, les gars. Bisous. Merci. Merci, les gars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été carré. Et voilà, c'est donc la fin du RPG.